Oh, Jesus.
un jour à Pentecôte. Il faut donc célébrer Pentecôte. Papa t'a écrit sur le bille, la sienne alliance, Saint-Esprit Manel Oya, à quoi qu'il est, à Saint-Moussa la qu'il est. Mais tu as commis la nouvelle alliance, tu as un bon gagné, c'est ce que tu as mis au centre de Zawana. Mais tu as un bon gagné, c'est ce que tu as mis au centre de Zawana. Donc, c'est un essai. Saint-Esprit, tu as encore la carte, mais tu as fait ça, tu as même essai. Mais tu as un bon gagné, 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 tu as un bon gagné. Mais quand on a un salaire, on a un salaire, on a un salaire, on a changé mon tout. Amen. Tu as un salaire. Dans ce cas, on a un salaire. Si on a un problème, comment on a un papier? On a fait sur 3 mois. Comment on a un papier pour moi? On a un problème, on a tout dit. On a un l'église, on a un fait sur 3 mois. Ce qui nous a un salaire, c'est que mon thème est disponible. Quand on passe à la salaire, il faut être disponible. Mon thème, il faut qu'on soit là, on va dans la salle, on va ça. Et ça va être mort. Si on dit que mon thème est disponible pour la salle, comment récréer le coin de l'Église pour 3 mois? Chiffre 3. C'est un chiffre à résurrection. Voyons en salle, ça va être l'obaté. Et ça va être un miracle. Il faut donc vivre un miracle en salle, la quête église à sacerdoce royale. Amen. Dans la zone du Mango. Si vous êtes disponible, la témoignage, je vous le dis dans 3 mois, pour que vous vous en tout le monde. Vous avez ça capable. La paix sur 3 mois. Si vous avez ça, c'est que vous êtes malade. Vous avez ça, vous avez ça. 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 Quand la tia malouba kati, quand la aton disse na mouya pe na moto, to bonne na kumbwa Yesu. Seigneur, au nom de Jésus. To komi na mouma on kolo, to yoka malouba na yo. Kolo dispose mon thème à la laye. Afin que malouba kumba kati, ne siko yosa place na mouma na mouma. To recommande mon thème à pop à l'élo na salo mouma na yo. Nous avons tia malouba mouya pe na moto. Kolo ya louba ti, yo louba kati, na kumbwa Yesu. To lobi, Oh,
Saint-Esprit, nous t'élevons parce que tu es meilleur. Holy Spirit will lift you up. Notre ami de tous les jours. Our godly friend. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. The one who resurrected Jesus. Celui qui donne la vie là où il y a la mort. The one who gives life where there's death. Celui qui donne la guérison là où il y a la maladie. The one who heals where there's sickness. La puissance de l'Église c'est toi. The power of the church is you. La force de l'Église c'est toi. The strength of the church is you. Le conducteur de l'Église c'est toi. The conductor of the church is you. Nous te magnifions. We magnify you, cher Saint-Esprit, dear Holy Spirit, en ce moment, in this place, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Lift the name of Jesus. Fais-nous du bien. Do us good. Que nous puissions sortir de ces lieux. May we leave this place. Béni. Blessed. Transformé. Transformed. Et édifié. And edified. Pour la gloire du Père. For the glory of dans the Father. Saint glorieux de Jésus. In the name of Jesus Christ. Nous allons ainsi prier. As we pray. Et nous pouvons dire Amen. And we can amen. Say amen. 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 Et il y a un seul qui peut acclamer très fort le nom de Dieu. Que Dieu soit loué. May God be glorified. David disait. David said. Il est doux et agréable. It's good and agreeable. À des frères de demeurer ensemble. To for the brothers to dwell together. Car c'est là que l'Éternel. That's where the Lord. Envoie la vie et la bénédiction. That's where the Lord sends life and blessing. J'ose croire. I believe que la bénédiction de Dieu est that the blessing of the Lord is in this place. Tu sortiras béni de la part de Dieu. You will be blessed by God. Par toi, Dieu va bénir ta famille. Through you, God will bless your family. Et s'il y avait l'esprit des morts, and if there was a spirit of death, Dieu va nous accorder la longévité. And God will give us longevity. Et s'il y avait l'esprit des morts dans ton travail, and if there was the spirit of death in your work, s'il y avait l'esprit des morts dans tes finances, if there was the spirit of death in your finances, s'il y avait l'esprit des morts dans tes projets, if there was the spirit of death in your project, le Saint-Esprit va ressusciter ce qui était mort. The Holy Spirit will resurrect what was dead in your life. Parce que lui, il est la puissance de la résurrection. Because he is the power of the resurrection. Il ramène ceux qui sont morts à la vie. He brings what is dead to life. Et s'il pouvait le faire avec Jésus, if he did that with Jesus, la Bible dit notre Dieu est le même. The Bible says our God is the same. Yeah. Yesterday. Aujourd'hui. Today. Et éternellement. Ever. Je ne sais pas ce qui dérange ta vie. Ta famille. I don't know why this saves your family. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Que celui que je suis venu prêcher. The one I come to preach. Est plus puissant que la sorcellerie de ta famille. Est plus puissant que la maladie qui te ronge. It is more powerful than the sickness that is puissant que les réalités que tu traverses. It's more powerful than the reality that you're going through. Quand son nom est élevé. When his name is lifted. La Bible dit tout genou fléchit. The Bible says je lève maintenant le nom de Jésus dans ta vie. Je lève maintenant le nom de Jésus dans ta famille. Je lève le nom de Jésus dans ta vie. The name of Jesus in your reality. Que tout ce qui était négatif, whatever was negative, qui était élevé dans ta vie, whatever was negative, que cela fléchit maintenant au nom de Jésus. In the name que la sorcellerie fléchit maintenant au nom de Jésus. Que la maladie fléchit maintenant au nom de Jésus. Que le bondage fléchit maintenant au nom de Jésus. Et que la victoire de la croix de Jésus soit ton partage. Be your partaker. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et je crois. I believe. La dernière de ce jour. From today. Pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque. When we are celebrating the Easter. Je crois en moi. I believe in me. Que plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ta famille. Plus rien ne sera comme avant dans tes affaires. Parce que ce qui tombe dans le tombeau. Ceux qui tombent dans le blocage seront persuadés de voir que le Saint-Esprit est venu te faire sortir de la malédiction, te faire sortir de blocage, et il t'a rendu libre et libre pour toujours. Il est celui qui libère. Because it's the one who set free. Ce n'est pas l'Église qui libère. It's not the church that set free. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui libère. It's not the man of God that set free. C'est Jésus. But it's Jesus. L'homme de 33 ans. And the man of il est capable de changer ta vie. He's capable of changing your et life. C'est ce
ce nom-là que je suis venu prêcher cet après-midi. Que Dieu soit loué. May God be glorified. Amen. Amen. Je vous aime tous. I love you all. Vous êtes beau devant l'Éternel. Parce que vous ressemblez à notre Père. Savez-vous que Dieu vous a créé à son image? Do you know that God created you to Et si l'on cherche quelqu'un qui ressemble à Dieu, if they're looking for someone who's on doit te regarder. They have to look Dieu at que Dieu est. You are the same way. Acclamons notre Père. Père, il est tel que nous sommes. Nous avons commencé les enseignements sur la Pentecôte. We started the teaching on the Pentecost. Nous avons introduit la Pentecôte. We introduced the Pentecost. Et nous avons donné la différence entre la Pentecôte et le jour où Dieu avait donné à Moïse. We gave the difference between the Pentecôte and the day God gave Moses. Les 10 commandements. The day God gave Moses the 10 commandments. Dieu était en train de mettre l'institution qu'on appelait le judaïsme. It was where God was putting the institution called Judaism. Et là où Dieu était en train d'instituer une institution qui devait s'appeler le judaïsme. Where God was instituting an institution that was called Judaism. Par les grands prophètes appelés Moïse. Through the great prophet called Moses. Dans l'Europe. God's sur l'Europe. God spoke through the rocks. Il y avait le feu. There was fire. Il y avait le tonnerre. There was thunder. Et les gens pouvaient entendre et voir la présence de Dieu. People could see and hear the presence of God. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. That was in the old covenant. Et quand il est question maintenant d'instituer la nouvelle alliance, when is now the question of instituting the new covenant? Dieu ne va pas paraître maintenant. God will not appear. Sur la montagne. God will not appear on the mountain. Avec le tonnerre. Not with thunder. Avec le feu. Not with fire. Mais Dieu va prendre place maintenant dans la vie de ceux qui sont appelés chrétiens. God will now take place in the life of those who are called Christians. À la place de voir le feu descendre sur la montagne. In the midst of seeing fire descending on the mountain. Les jours de la Pentecôte, on voyait le feu sur la tête de chaque chrétien. On the day of Pentecost, they were seeing fire. Non seulement on voyait les flammes de la face de Dieu, les flammes du feu sur leur tête. Not only they were seeing fire on their head. Mais dans leur bouche sortait aussi le feu. But in their mouth was coming out fire. Et pendant que le tonnerre dans l'ancienne alliance était en train de faire son travail. And the tonnerre in the old covenant was doing. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit les gens entendaient. In the new covenant. The Bible says les Galiléens ou les Israélites parlaient dans d'autres langues. Et par là nous avons vu by then we saw that dans notre test initial Exode chapitre 19, in the book of Exodus, chapter 19 les versets 16 au verset 19 from je disais Exode 19 verset 16 au verset 19 Exodus chapter 19 Exodus chapter 19. Verset 16 au verset 19. Verse 16 to 19. Nous avons énuméré quelques événements. We're going to enumerate some. Il y avait des tonnerres. There was thunder. Des éclairs. There was lightning. Une épaisse nuée. There was a cloud. Le son de la trompette. The sound of the trumpet. Il y avait de la fumée. There was smoke. Il y avait du feu. There was fire. Il y avait les tremblements violents de la montagne. There was trembling of the mountain. Et il y avait une voix formidable de Dieu. And there was a good voice of God. Alléluia. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. That was in the old covenant. Maintenant, quand nous venons dans la nouvelle alliance, now, when we come in the c'est là où je vous demanderai de pouvoir honorer la parole de Dieu si vous pouvez vous lever. Dans Actes chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 5, nous allons lire ça ensemble. In Acts chapter 2, verse 5. Ma version Louis II dit ceci. My version Louis II says. Nous sommes dans Actes des apôtres, le chapitre 2, le verset 1er au verset 5. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. The day of the Pentecost, they were all together in the same place. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Suddenly, they hear a sound. Il remplit toute la maison. So,
10 minutes and then you can leave after. Amen. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, se parèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux et de toutes les nations qui sont sous le soleil, le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun attendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. So, Acts chapter 2, from verse 1. To 7. When the day of the Pentecost had arrived, they were all together in one place. Suddenly, a sound like that of violent rushing winds came from heaven, and it filled the whole house where they were staying. And tongues like flame of fire that were divided appeared to them and rested on each one of them. Then they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in different languages, as the Spirit gave them ability for speech. There were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven, where this sound came. A crowd came together and was confused because each one had them speaking in his own language. And they were astonished and amazed, saying, "Look, are not all these who are speaking Galileans?" Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Nous parlons de la Pentecôte. We are talking about the Pentecost. Oh, la Pentecôte vient du mot Pentecost. Where are the Pentecost? C'est le mot grec. Pentecôte come from the word Pentecost. It's a Greek word. Qui veut dire fête de la semaine. Which means the party of the week. Et cette fête n'était pas pour tout le monde. That party was not for everybody. C'était seulement une fête juive. It was only a Jewish party. Commémorer 50 jours après la Pâque. And that party was commemorated 50 days. Et cette fête est symbolique pour les Israélites. And that party was very symbolic for the Israelites. Parce que cette fête s'est commémorée pendant l'automne. Because that party was to be celebrated in fall. Summer. In summer. Pendant l'automne. Alléluia. Et c'était l'époque où les Israélites. It was the time where Israelites récolter les premiers germes. Was recolting the first les germes des orges. The first harvest. Et les premières récoltes. And the first harvest. Revenait à l'Éternel. Was going back to the Lord. Tout Israël, Israélites. Every Israelite. Qui avait semé. Whoever. La semence d'orge. Every Israelite. Revenait à l'Éternel. Et ce jour-là, Israël venait devant Dieu. Israel was coming before avec God, cette semence d'orge. With that semen, pour offrir cela à Dieu. To give that to God, parce que Dieu les a visités. Because God had visited, et Dieu les a bénis. And because God had blessed them. Et pendant que les Israélites étaient en train de célébrer la fête de la Pentecôte. When Israelites were celebrating the party of the Pentecôte. Chambre haute. The Christians were gathered in the upper room. Ils attendaient la promesse que Jésus-Christ les a donnée. They were waiting for the promise that Jesus Christ had given them. De ne pas sortir, de rester dans la chambre. Do not go going out by staying in the room. Jusqu'au jour où ils recevront le Saint-Esprit. Till the day they receive the Holy Spirit. Alors ils seront les témoins de Jésus. And then they'll be
witness of Jesus in Jerusalem, dans les Judées, in Judea, dans la Samarie, in Samaria, et toute l'extrémité de la terre, and on the earth. Et cela a coïncidé que c'était le 50e jour. And that happened was the 50 days. Et pendant que les Israélites venaient avec les récoltes, when the Israel were coming with the harvest, pour commémorer la Pentecôte selon la tradition du according to the tradition avait donné à Moïse, that God had given Moses, l'église de Dieu, the church of God, était aussi dans la tente, were in the temple, donc dans la tente, they were waiting de recevoir la puissance, to receive the power, une puissance qui devait venir de Dieu, the power that was coming, non pas des ecclésiastes, not the power from non the pas d'une église, non pas des prophètes, not of a prophet, mais la puissance qui devait venir de Dieu. Je vais dire à une personne, si la puissance de Dieu descend dans ta vie, si la puissance de Dieu te localise, tu seras transformé en une autre personne. Tu ne peux pas recevoir la présence et la puissance de Dieu et rester la même personne. Mais tu es transformé en une autre personne. À tel instant que ceux qui te connaissaient, tu vas paraître méconnaissable. Et ils seront étonnés de voir ce que tu seras capable de faire avec Dieu. Et ils étaient dans la chambre haute. Ils attendaient les Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la tradition juive, tradition, ils présentaient les chambres d'orge devant Dieu before God, pour célébrer la Pâque. To celebrate the mais maintenant, Easter. Dieu va faire ceci. But God did this. Dieu va faire de sorte que God did the way la semence qui est entrée par terre, cette semence, c'est Jésus, that qui est entré dans la terre le premier jour. Who entered the ground son on the corps first day. Pouvait connaître la pourriture le deuxième jour. Et le troisième jour, la semence qui a été mise sur la terre devait sortir. Et cette semence, quand elle est sortie, la semence ne produit pas les fruits le même jour. Chaque semence a un temps où elle doit croître pour donner les fruits mis. Et cette semence a duré pendant 49 jours. Oui, devait se manifester. Et le Saint-Esprit est descendu pour donner naissance à des enfants qui ont la semence de Dieu. C'est la naissance de l'Église. C'est là où nous qui sommes chrétiens, nous sommes les semences de Dieu. Le Saint-Esprit nous a donné la vie. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses. Perdus à cause de nos péchés. God had only one people, one nation. Le Dieu était seulement pour les Juifs. God was only for the Jew. Mais dans l'église, but in the church, Dieu ne fait exception de personne. God was except of tu peux être Mouyaka. You can be Mouyaka. Tu peux être Mouchilele. You can be Mouchilele. Tu peux être Moussonge. You can be Moussonge. Tu peux être Mungunza. You can be tu peux être de quelle tribu? Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dans la nouvelle alliance, pendant que le Saint-Esprit est venu, pour manifester que Dieu ne fait exception de personne, le Saint-Esprit est descendu, les gens pouvaient parler dans d'autres langues. C'est-à-dire qu'il y avait l'unicité de l'Esprit. Là où le Saint-Esprit était réservé seulement pour les Juifs, mais les Grecs pouvaient entendre les chrétiens parler de leur langue. Quand le Saint-Esprit te localise, il te donne le caractère de Dieu, il te donne la nature de Dieu, il te donne la forme qui te convient, il te donne la forme qui te convient, et Dieu va faire convaincre aux gens qui ne croyaient pas en toi.
ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. La Bible dit tout à coup, vient du ciel un bruit comme un vent impétueux. Quand on parle du vent dans la Bible, when they're talking about the wind in the Bible, ça symbolise la sensibilité spirituelle. A Christian has to be sensible. Non pas sensible aux choses du monde. Not sensible to the things of the world. La sensibilité spirituelle t'amène à voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. La sensibilité spirituelle t'amène à écouter les choses que les autres ne peuvent pas écouter. Tu es là, mais tu vois les choses différemment. You are there, but you're seeing tu es là, mais tu entends les voix que les autres ne peuvent entendre. You are there, you are hearing voices that others cannot hear. The Bible says, ils entendent, ils vont du ciel un bruit comme un vent impétueux. The Bible says, it's come from heaven. Il remplit toute la maison qui est, il remplit toute la maison où ils étaient assis. And filled the house where they were all staying. Oh, je crois et je suis persuadé que tu sortiras de ces milliers remplis du Saint-Esprit. Oui, peu importe la négligence. With the Holy Spirit, peu importe la négligence. No matter the negligence. Dans ta marche avec Dieu. In your walk with God. Peu importe ton relâchement. No matter your detachment. Peu importe ton éloignement. No matter your detachment. Oh, bien aimé, peu importe ton apostasie ou manque de foi. No matter your position and mais ce soir, le Saint-Esprit est disponible de pouvoir te toucher, de te communiquer une nouvelle force, de te communiquer une nouvelle vie, de t'amener vers une nouvelle direction. J'aime ce que les hommes de Dieu disent. L'État-Unis n'est pas le paradis. Le Saint-Esprit peut te remplir ici aux États-Unis. Le Saint-Esprit peut faire de toi un instrument puissant de sa main. Pour la délivrance de ta famille. Pour la délivrance de ton quartier. Pour la délivrance de ta belle famille. Pour la délivrance de cette église. Il est seulement question d'être sensible. Sa sensibilité spirituelle. Spiritual sensibility. Si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, if you don't have the spiritual sensibility, tu ne peux pas te connecter avec le ciel. You cannot connect yourself with heaven. Être connecté avec le ciel. For you to be connected to with heaven, avoir la sensibilité. You have to have the sensibility. La sensibilité c'est comme l'odorat. The sensibility is like l'un des sens de la vie, l'odorat. It's like the smell. Il y a des gens quand vous êtes là. There are people when they are here. Ils ne sentent rien. They don't smell anything. Permettez l'expression. Quelqu'un peut permettre si les anges ne le sentent pas. Someone can ça sent mauvais. Et les autres ne le sentent pas. And others don't smell it. Ça c'est manque de cet sens qu'on appelle l'odorat. That's the lack of that sense. Et dans le sens spirituel aussi. In the spiritual sense also. Il y a aussi cette sensibilité. There's also that sensibility. C'est pourquoi quand la femme qui avait la perte de sang. When the lady who had the issue of blood, n'a pas touché le corps de Jésus. When she touched the gown of Jesus. C'est votre attention. Il n'a pas touché le corps de Jésus. She did not touch the body of Jesus. Mais il a touché le bord de son habit. She touched the bottom of the gown of Jesus. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. And Jesus said, there's somebody who touched me. Because there was that sensibility. Mais il y a quelque chose qui m'a quitté. To know that there's something that I've left. Quand vous avez la sensibilité spirituelle, même il y a un petit démon qui veut venir dans ta famille. Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu verras la personne en question. Dieu va te révéler qu'il y a quelqu'un qui viendra. Laisse-moi te dire, la présence de Dieu dans ta vie n'exclut pas les combats. N'exclut pas les difficultés. Laisse-moi te dire en passant. Et la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. The Bible says, like, mais l'Éternel en délivre toujours. To the just, oh, la Bible dit rien ne peut arriver à un roi de Dieu. But the Bible says, si l'Éternel n'a pas révélé à son roi. La sensibilité spirituelle te permet de capter les choses. Allow you to see things. Vous savez que là où nous sommes, you see where we are? Il y a plusieurs hommes. There's a lot of men.
Je parle des ondes. I'm talking about en termes physiques. In a physical way. Il suffit d'avoir les capteurs d'ondes. It only need to have the captures. On parle en termes de FM. It only need to have like medium frequency, like channels capturing ou AM. Amplifié fréquence. We are talking about like capturing channels. Je parle en termes de radio. In terms of radio. Sans radio, si vous ne pouvez pas capter les ondes. Without radio, you cannot capture men. Un radio, si vous pouvez capter les ondes qui sont ici. But the radio can capture. Et celui qui est spirituel. The one who's spiritual. Quand se retrouve dans un milieu. Have to find himself somewhere. Il peut capter celui facilement. Where he can capture easily. And then know that this person has a bad thing. Est-ce que dans l'eau, pas d'église? Imagine into the church. And you feel like this is my story, this is the Holy Spirit that is animating me. You'll be capturing me. You'll be capturing me. You see that your husband is working, working well. Well. You see that God will need you to start praying. You have that sensibility. But if you don't have that spiritual sensibility, you'll be like my brother. Tu seras confondu d'apercevoir les choses arriver. You will be confused on seeing things that are coming. Un vent. A wind. Le vent quand il vient. When the wind comes, il y a un adage qui dit. There's a quote that says. Ça c'est le bon président, le plus aimé qui disait ça. Vous te permettez l'expression. That says, il disait devant l'ouragan de l'histoire, mille ou pas mille, les fruits tombent ta main. When before the devant l'ouragan de l'histoire, before the devant le vent de l'histoire, before the wind of history, les fruits mille ou pas. The fruit that's already on quand the tremblement, when there's a tremble, les fruits tombent. Those fruits. L'activité des vents. Quand le vent vient, when the wind comes, ça secoue. It shakes. Quand tu es secoué par le vent. When you are shaken. La mauvaise semence à toi d'approuver. The bad semence to... The prostitute will fall. Qui songe songe au poeya. Gossiping will fall. Qui vous aime à ma belle poeyi. Esprit à qui fiche poeyi. Esprit à ma belle poeyi. Esprit à mon bout de poeyi. Quand le Saint-Esprit s'est écouté, la femme doit tomber. Le tabagisme doit tomber. Les mauvais comportements doivent être quittés. Nous ne pouvons pas te toucher au tic à la bombe. Et si vous voulez mon sang, vous êtes touché. Il y a ma paix quand tu ne fais quoi. Non, bien aimé, tu ne peux pas être visité par les vents de l'esprit. Whatever destroyed your life, believe.
Adam. And then you become like the first Adam. Who had intimacy with God. Je prie que tu marches avec Dieu. I pray in your walk que tu marches avec Dieu. May you walk with God. Jour après jour. Day after day. Semaine après semaine. If there is a wind of a pastor that touches you, that's where there's a lot of problems. You can fall. With the wind of a pastor, I can touch you. You can fall without the Holy Spirit touching you. You go home, you will go back to your old habits. You come back. The wind will make you fall. You remain the same person. But when the wind of the Holy Spirit touches, you can fall or not falling, but you'll be transformed in a new person. That's my prayer. My prayer in this church. May God transform the life of each of us. From me to everyone who's behind me, may we be transformed by Jesus. You don't need to preach. Mais les gens vont te suivre. But the people who follow you. Tu n'auras pas dit que je suis chrétien. You won't need to say you're Christian. Que toi tu but es. People who know that you are Christian, you ask God. J'aime ce que Joseph a été. I like what Joseph was. Joseph était esclave. The Bible says Joseph was a slave. In Egypt. Ça ne parle pas de la présence de Genèse pour ne pas aller en air. Genèse chapitre 39, le verset 10. About Genesis chapter 39. Hallelujah. Amen. Oh, fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, l'officier du Pharaon, chef de la garde. Genèse 39, verset 1 jusqu'au verset 3. Vous pouvez lire ça à la maison. On fit descendre Joseph en Égypte. Now Joseph has been taken to Egypt. Et l'officier. An Egyptian named Potiphar, an officer of Pharaoh, acheta des Israélites qui l'avaient fait descendre. And the captain of the guard bought him. Le verset des Gemmes. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui. The Lord was with him. Et la prospérité l'accompagna. And he became a success. Et il habitait dans la maison de son maître. And was serving in the house of l'Égyptien. Laisse-moi te dire, quand tu as la présence de Dieu, Dieu va te qualifier là où tu n'as jamais été qualifié. Quand la présence de Dieu t'accompagne, tu ne chercheras pas la prospérité. J'insiste, tu ne chercheras pas la prospérité. Mais la prospérité t'accompagnera. God.
fille avec lui. Je prie où que tu sois. I pray wherever you are. Que les gens voient la présence de Dieu. People see the presence of God. Tu n'as pas dit que je prie à l'église aussi sans le soyeur. Mais les gens eux-mêmes verront que tu as la semence de Dieu. Même toi-même, tu seras confronté de croire que tu as la présence de Dieu. May even yourself you be confused to know that you have the presence of God. Je me souviens encore un jour. I remember one day. Je travaillais à l'hôpital Providence. I was working to Providence Hospital. J'avais un ami qui était comment on les appelle les gens de l'aile. Ils portent les chapeaux. I had an Indian friend. Who was wearing their Indian heart? Et puis les statues. And was wearing a statue. À l'âge de 5 ans, ou 8, 9 ans, when I was 8, l'un de mes cousins est venu à Kinshasa. One of my cousins came to Kinshasa. Il nous a amené un bidon de miel naturel. And then brought us a bottle of natural honey. Maman était au marché. My mother was in the market. De vendre. Was selling. Au travail. My father was working. I drank that honey like almost mourir. A glass, and I wanted to die. I wanted to die. They brought me to the hospital. And since that day, if I drink anything that has honey in it, j'avais cette allergie là que je sens que je connais ou quoi, mais c'est quelque chose qui a du miel. I become allergic to honey. Et depuis ce temps-là, jusqu'au jour où je suis venu aux États-Unis, jamais. Since that day to the day I'm in the US, I've never taken it. Even the Bible says that. Il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose de bon comme le miel. There's nothing good like honey. Mais ça n'est pas un problème. But that's not the problem. Et j'ai toussé ce jour-là. I was coughing that day. Et mon ami m'a dit. My friend told me. Tu tousses beaucoup. You were coughing a lot. We are in the hospital. Si les gens te voient comme ça. If the boss sees you like this, they'll send you home for a week. Tu dois prendre le miel parce que dans les cafétérias où il y avait. You have to take honey because in the cafeteria there was honey. Le miel, le citron. You have to mix honey with lemon and drink. Je lui ai dit. I told him. Je suis allergique au miel. I'm allergic to honey. Mais il m'a dit. But he told me. Mais toi tu me dis que tu es chrétien. But you told me you're a Christian. Pourquoi tu crois à l'allergie? Why do you believe in allergies? Vous parlez de la foi. You Christian talk about it. Drink it. Oh, il m'a influencé. He influences me. J'ai dit un païen. He told me a pagan. Ça c'était. This is what that was my pagan talking. Je suis parti. That was God talking. J'ai pris le miel. I went and took the honey. J'ai pris le citron. And I took the lemon. Et j'ai pris du thé. And I drank it. Quand je mettais seulement auparavant, quand je mettais même si c'est pas un goutte, whenever I just tried to put that honey. À ce moment-là, malade. I had to fall sick. Mais depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, till today, je n'utilise plus les cibles. I don't use sugar anymore. J'utilise les cibles. Il y a des choses. There's things. Quand tu crois cela, when you believe ça in reste it, attaché à ta vie. It remains attached to you. But when you have the presence, ne crois pas aux choses négatives. Don't believe in negative things. Ne crois plus aux alliances de ta famille. Don't believe in our family. C'est l'image de Dieu. It's the image of God himself. Sinon, l'effet quoi? L'effet quoi? J'attire votre attention. Dans l'ancienne alliance, in the old covenant, on voyait l'effet sur la montagne. They were seeing fire on the mountain.
qu'il recevait son appel, le mandat. When Moses was receiving his call, he saw God, but not like a human. Vous êtes avec moi. And throughout the night, God was walking with Israel like fire. L'image de la présence de Dieu. Fire is the image of the presence of God. It was outside the man. Vous voyez les feux de loin. You see the fire from far. Et même Moïse ne pouvait pas aller là où il y avait. Even Moses could not go where there was fire. Parce que l'endroit était déclaré pur, il était aussi appelé à enlever ses chaussures. Because the place was declared pure and he had on to remove his sandals. You could not approach the fire. You could not touch the fire. Ça représentait la présence de Dieu. It was representing the presence of God. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, les gens qui ont voulu aider Dieu quand ils ont vu l'arche de l'alliance tombée. They always tell you that people in the Bible want to be like God when they saw the ark of the covenant falling. Ils n'étaient pas appelés à toucher l'arche. They were not called to touch the ark. The way of preserving the ark, they died. Mais ce jour-là, that day, the fire descended. Non, pas loin, not far, mais sur la tête, but on their head, on their hearts. Vous voyez les signes extérieurs, le feu, you see the fire et on their head, bouche sortait le feu. And in their mouth, fire was coming out. That means les chrétiens, le jour de la Pentecôte, Christians on the day of Pentecost, étaient devenus comme leur père. They became like father. Ils ont reçu l'ADN de Dieu. They got the ADN of the DNA of God. If the father is fire, is the son going to be water? Si le père est le feu, le fils sera l'eau. If the father is fire, is the son going to be water? If the father is fire, has also become fire. The Bible, it means that God makes his servant a flame of fire. Flame of fire. Ce jour-là, and that day, de rester dans des maisons conçues par des hommes, God refused to stay in the houses built by men. And then it took place in the house that he himself built. And that house is huge. Dans les évangiles, on dit, that's why in the evangelists, in the Gospels, don't you know that? That your body is the temple of God. That your body is the temple of God. And the Holy Spirit of God. And then dwells in you. Let me tell you. You have the same nature as God. If God is fire, you also you are fire. That's why I like the experience of Shadrach, Meshach, and Abednego. Abednego. This remained 24 hours in the fire and did not die. It was the secret. The fire is fire. And fire. The fire remains the one. Where others can beg, you can die. You cannot, you will not die. You are not the same. Don't laugh at me. We can have problems. But our problems are different. But our problems are different.
you become mysterious. To bring out the true nature of someone. If you want to know, if you want to know the truth, God has to remain in fire. God, when you're in the fire, God is burning out everything that is bad. Whatever I know what is bad in me, the Holy Spirit burns every bad things in me. That's and then brings me out of original. Original is discovering the nature of God. Là, and then, quand tu achètes ces marches, when you have that seed, tu dois laisser une trace dans ce monde. You have to leave trace in this world. You're going to pray for the Holy Spirit in your life. May the Holy Spirit takes you in another dimension. In a dimension that you never experienced. May the Holy Spirit takes you in the deepness of God. The things of God works in you. Activate the things of God in you. Activate God in you. May the Holy Spirit activate God in you. Rabba Shengoro, Rabba Shengoro, Saint Esprit. Rebo Shengala. Never any plenitude na yo boli monasa. Never any plenitude na yo Saint Esprit de Dieu. Rebo Shengala. Bakola ngamuli monasa. Bakola ngamuli monasa. Au nom de
Mouvance na yo, moto na yo, activez les surnaturels, activez les surnaturels, activez les surnaturels. Que tu as la voix à dire. Attends, il y a un lobby, mais mon livre.